Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre impacteuse. Aujourd'hui, je suis là pour parler de l'hypothèque. Oui, je suis là pour encourager ceux qui aspirent à acheter une maison. C'est ça, même s'il y a certaines personnes bon, qui sont contre, c'est normal, comme je dis, on respecte leur opinion. Mais nous autres, là, nous sommes là pour encourager les gens à l'accès à une propriété. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'achat d'une maison au Canada, c'est-à-dire il y a des règles qui peuvent varier d'une province à une autre, mais en général, ça se rejoint parce qu'il y a une compagnie qui est la Société canadienne d'hypothèque et logement qui s'occupe de vraiment tout ce qui regorge les lois et règles qui régissent pour pouvoir acheter une maison. Donc si vous voulez acheter une maison, vous pouvez vous référer à ce lien que je suis en train de mettre là. Vous essayez de parcourir, vous allez avoir une idée. C'est sûr que je peux pas vous donner toutes les informations ici dans une vidéo, mais sachez que cette compagnie là, comme je vous ai dit, elle est là pour baliser un peu le terrain, pour baliser, pour ça dit, pour essayer de s'y construire les règles, pour éviter les dérapages, surtout pour éviter le surendettement. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'elle est conseille, c'est que si tu veux prendre une maison, tu dois calculer en fonction de toutes tes charges qui viennent avec la maison, tu ne dois pas excéder 32% de ton revenu annuel brut, c'est ça. Toutes tes charges, tout compris, doivent faire au moins 32%. Sinon, plus que ça, on essaie de revoir à la baisse. Mais sachez que ils sont aussi là pour encourager, oui, les gens à se prendre une maison, mais ils sont là, comme j'ai dit, pour essayer de réglementer les choses. C'est pour cela que pour s'approprier une maison, on vous demande un montant de 20%. Exemple, moi j'aspire à prendre une maison de 200 000 $. Donc si on me demande 20% du montant, c'est ce que moi je dois posséder. Et puis le reste, c'est-à-dire la banque m'octroie ça comme un prêt. Mais très souvent, quand les gens sont pas capables de donner le 20%, on accepte que tu donnes au moins 5%. Mais quand tu donnes le 5%, ce que la SCHL te dit, il faut que tu prennes une assurance hypothécaire. Oui, c'est cette assurance-là qui va couvrir ça. Mais si tu as le 20% comme ta liquidité, tu n'as pas besoin d'une assurance hypothécaire. Donc, c'est pour ça souvent les gens vont dire, oh, on demande 20%, mais si tu n'as pas 20%, tu peux donner 5% ou bien moins de 20%. Mais avec, ça doit venir absolument avec une assurance hypothécaire. Donc, toutes ces mesures-là ont été mises en place, comme je vous dis, pour réduire le taux d'endettement des gens. Mais sachez que d'abord, pour aspirer à avoir une maison, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois d'abord faire une évaluation de ta capacité d'emprunt, évidemment. Et puis, dedans vient la préautorisation. Très souvent, ce que les propriétaires de maisons conseillent, eux, ils veulent ce qui vient de la banque. Parce qu'on peut aller sur Internet pour faire, c'est-à-dire que sa préautorisation, on peut aller faire ça sur Internet, mais les vendeurs de maisons, eux, généralement, ils veulent ce qu'ils viennent de la banque. Parce que quand tu es en train de visiter, quand tu appelles le vendeur de maison au téléphone, lui te dit déjà que je veux qu'en venant, vous venez avec le papier qui confirme que vous êtes bien préautorisé pour... On fait ça pour une question de gain de temps, pour que chacun gagne du temps, pour ne pas perdre le temps de l'autre. Donc, vous voyez, quand maintenant, tu as fait ta préautorisation et puis c'est OK, mais avant ça, déjà, si longtemps tu aspires à une maison, il faut bien évidemment que tu vérifies au niveau d'Equifax. Equifax, c'est le bureau de crédit du Canada. Tu dois vérifier là-bas, si là-bas tu es clean. Parce que même si tu dois une facture de 10 $ de téléphone ou bien de quoi que tu n'as pas payé, qu'on a envoyé ton nom à Equifax, le jour que tu veux vouloir acheter une maison, ils vont te refuser ça. Ils vont te dire non, tu as une dette de 10 $, même 5 $. Tu as une dette de 5 $, il faut que tu la payes d'abord. Donc, commence d'abord par Equifax pour voir si tout est clean là-bas. Et puis, tu fais la préautorisation, comme je peux dire, la capacité d'emprunt. Ensuite, tu vas déterminer ta mise de fonds. Oui, la mise de fonds, c'est ce que toi, tu possèdes. Comme je t'ai dit, tu as le choix entre 20% ou bien 5% qui est le minimum qu'on demande. Donc, c'est à toi de voir. Donc, quand le premier volet que j'ai cité est OK, tu viens maintenant sur la mise de fonds. Mais quand tu as la mise de fonds, il ne faut pas juste regarder ta mise de fonds. Donc, on va aller maintenant à évaluer, c'est-à-dire le coût qui vient avec des coûts additionnels, comme je peux appeler ça. Oui, l'achat d'une maison, ce n'est pas juste la mise de fonds parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui viennent. Il y a les taxes qui viennent. Il y a la taxe municipale. Cette taxe-là, elle est payée chaque année, selon la commune et selon le quartier. Oui, moi je peux habiter dans tel quartier, telle personne habite tel quartier, ça ne va pas être le même montant. Donc vous comprenez, après cette taxe municipale que tu payes chaque année, il y a la taxe de bienvenue. On ne l'appelle pas bienvenue parce que tu es bienvenu dans la commune.
on l'appelle bienvenue parce que c'est le nom de celui qui a créé cette taxe-là. Et cette taxe-là, tu vas la payer une fois durant tout le temps que tu vis dans cette maison-là. Donc, ça veut dire que si tu as vendu cette maison, que tu t'en vas acheter une autre maison, là-bas encore, tu vas payer une taxe de bienvenue. Maintenant, il y a la taxe scolaire. Cette taxe scolaire, elle n'a rien à voir avec le fait que tu aies des enfants ou pas. Peu importe, c'est une taxe que tu dois payer chaque année. Donc, il y a tous ces frais-là. Avec ça, on va parler aussi des frais de notaire. Il y a les frais aussi qui vont être là comme l'inspecteur. Parce que quand tu prends une maison, il faut que tu évalues la maison pour être sûr que cette maison-là, est-ce qu'elle n'a pas de problème pour prévenir, si vous voulez, les vis cachées. Donc, ça te prend un inspecteur. Ça, j'insiste là-dessus parce que bon nombre de personnes, quand ils voient la maison, waouh! Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg que tu as vu. Est-ce que tu connais le problème qu'il y a dans la maison? Donc, c'est seul un inspecteur qui peut te dire si la maison est conforme. Mais même si l'inspecteur t'a dit que la maison est conforme, tu peux retrouver aussi d'autres problèmes sur la maison. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on va aller pour trouver maintenant la maison. Sachez que pour chercher une maison, les sites sont là. Il y a beaucoup de sites. Il y a des sites comme des particuliers où c'est le propriétaire lui-même qui vend la maison sur un site. Et il y a des sites aussi où tu vas aller chercher un agent immobilier. Mais sachez que la maison que tu t'en vas chercher sur un site où il y a des agents immobiliers, cette maison va coûter plus cher par rapport à un site où c'est le propriétaire direct du propriétaire à toi. Parce que lui, là-bas, il faut qu'il donne la commission de l'agent. Donc, bien évidemment, ça va être élevé un peu plus par rapport à directement avec le propriétaire. Donc, c'est à toi de choisir si tu veux, si tel quartier t'intéresse, tu fais le tour, tu visites tout et tout, tu prends les numéros de téléphone, tu appelles et puis bon, tu t'en vas visiter la propriété. Mais ce que vous devez comprendre, une maison se prend selon la taille de la famille. Bon nombre d'Africains le font souvent. Ils prennent les maisons souvent qui vont au-delà de leur budget. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint de son hypothèque, l'hypothèque, ça veut dire que la maison que tu as pris là, toi-même tu sais que cette maison-là, elle dépasse tes budgets et puis tu allais la prendre. Sinon, l'hypothèque en dehors des taxes, ton hypothèque doit être comme un loyer, comme une maison que tu payes quotidiennement sans stress. Oui, c'est ça, c'est très important. Moi, comme j'ai dit, je ne peux pas travailler pour juste payer ma maison, non. Parce qu'il y a des gens, quand ils prennent l'hypothèque, ils vont continuer à se plaindre. On a vu ça beaucoup du temps, je travaille à l'hôpital. Dès qu'ils prennent la maison, sur 2 ans, 3 ans, ils continuent de se plaindre. La première année, oui, tu peux te plaindre parce que bon, ça vient avec un début. Mais de là à te plaindre tout le temps, ben, ça veut dire que tu es allé plus fort. Et les Africains le font souvent. Ils prennent des maisons. Tu as 2 enfants, tu t'en prends une maison où tu as 5 chambres. Ça répond à quel besoin? Ça répond vraiment à quel besoin d'avoir 2 enfants, aller prendre une maison qui a 5 chambres? Et tu continues de te plaindre. Donc, comme je dis, quand vous partez pour visiter une maison, il faut garder la tête froide. Il ne faut pas tomber dans l'émotion. Quand vous dites « Waouh !» Vous vous exclamez devant une maison. Tout ça, le propriétaire, lui, va trouver que bon, sa maison est déjà, les affaires sont déjà réglées. Gardez le calme. Prenez le temps de bien observer. Et puis, de là, quand vous avez bien observé, au moins, vous pouvez avoir un jugement éclairé. Donc, comme je disais, en plus de ça, il y a le fait que maintenant, quand tu as déjà choisi la propriété, vous allez passer chez le notaire. Tout ça, ce sont des frais. C'est toi qui choisis ton notaire et puis les frais de notaire, c'est toi qui dois payer tous ces frais-là. Donc, il faut calculer tout ce côté-là pour pouvoir choisir une maison qui convient. Parce que une maison, c'est quelque chose, comme je dis, qui se paye sur le long terme. Ici au Canada, une maison, ça se paye entre 20 et 25 ans. Donc, imaginez-vous quand on fait un mauvais choix et puis on se retrouve à être pogné avec une maison avec beaucoup de problèmes. Donc, il y a quelque chose aussi que je voudrais préciser au niveau du taux. Quand tu es en train de négocier avec le banquier et tout, au niveau du taux que tu veux pour ta maison, il y a ce qu'on appelle le taux fixe ou bien le taux variable. Moi, mon exemple, par exemple, moi, j'ai pris un taux fixe. Ça veut dire que même si les coûts montent ou bien les coûts baissent sur le marché, les intérêts sur ma maison ne vont pas changer parce que mon taux est un taux fixe et non un taux variable. Le taux, généralement, ça se fait sur 3 à 5 ans durant le temps où tu peux renouveler, comme on peut dire, ton hypothèque. Donc, voyez tout ça. Si tu veux prendre un condo aussi, il faut tenir compte souvent des frais liés au condo. Le condo, c'est un appartement dans un bloc. Alors que des maisons, il y a des maisons détachées, semi-détachées. Tout dépend de toi. C'est sûr que, comme je dis, l'achat d'une maison, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Et puis, il faut prendre beaucoup de paramètres en compte. Exemple,
tu travailles ici, tu vis en banlieue, ton travail est à Montréal. C'est sûr qu'une maison que tu vas aller aussi acheter à Montréal et puis une maison qui va être en banlieue, la même maison, ça va pas être le même prix parce que ce n'est pas la maison en tant que telle qui coûte cher, mais c'est là où on construit la maison qui coûte cher. Donc, il faut tenir compte de ces facteurs-là. Si tu travailles à Montréal, que tu viens habiter en banlieue, il faut tenir compte du trafic aussi. Maintenant, si tu vois tout ça, que ça t'arrange, bon, tu calcules tout ça. Et puis bon, on fait le choix d'une maison. Tu peux acheter la maison en banlieue, peut-être parce que tu comptes travailler aussi en banlieue, mais tu comptes changer de travail. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Quand maintenant, on a fini de prendre, de trouver la propriété, c'est là qu'on fait l'offre d'achat, tout et tout. On s'en va maintenant chez le notaire. Arrivé chez le notaire, le chef de la mise de fonds, là, c'est chez le notaire. C'est devant le notaire que vous allez signer tout ça. Et à partir de là, il y a, avant ça même, il y a le cadastre que le propriétaire va vous remettre. Tout ce qui a trait à la maison. Si dans cette maison-là, il y a eu des fuites, s'il y a eu tel problème dans cette maison, tout ça, tu dois être au courant de ça avant vraiment de passer devant le notaire. Comme j'expliquais, si l'inspecteur est venu et qu'il a fait la visite de la maison, il y a des éléments qui peuvent faire que tu as dit non, cette maison, je ne peux plus la prendre après l'inspection. Tu as le droit. Mais il faut que l'élément soit un élément solide. Parce que si tu refuses la maison alors que tu avais signé l'offre d'achat, bon, s'il y a un propriétaire aussi qui est, je peux dire, véreux ou bien quoi, il peut porter plainte contre toi et tu vas te retrouver devant les tribunaux. Donc, c'est pour ça, quand vous venez pour visiter une maison, ne tombez pas sur le coup de l'euphorie. Waouh, vous ne prenez pas le temps de regarder, les yeux brillent parce que bon, non, prenez le temps. Et une maison, ça se négocie. Tu t'en vas payer une maison, tu t'en vas visiter une maison. Si la maison te plaît, tu négocies. Si parmi vous deux, il y a un qui est mieux négociateur, moi, comme ça, c'est mon conjoint qui négocie mieux. Donc, moi, je me mets en arrière. Si c'est pour argumenter, je suis la première, mais négocier, je ne suis pas forte. Donc, il négocie ce que vous avez prévu. Ce n'est pas parce que la maison est jolie que vous allez dépasser votre budget. Vous négociez. Si vous voyez que, bon, il refuse que la maison vous plaît, bon, vous pouvez embarquer ou bien vous pouvez dire, bon, on s'en va, on revient. On ne prend pas une maison, une décision d'une maison où on est venu visiter tout de suite. Il ne faut pas être pressé. Si la maison même vous plaît, vous revenez, vous vous retirez, monsieur, madame, et puis vous analysez tous ces facteurs-là pour pouvoir prendre une maison. Comme je dis, nous les Africains, très souvent c'est le surendettement qui fait qu'on ne peut pas prendre des maisons. Au début, quand on arrive, les cartes de crédit, on se met dedans, on ne comprend pas le système. Mais quelque part, même où tu arrives et puis on te donne facilement, ça veut dire qu'il y a problème derrière. Pays où on t'appelle pour te donner crédit au téléphone, hein, on a besoin, on veut vous offrir. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a des pièges. Oui. Il y a vraiment des pièges liés au cas de crédit, aux marges de crédit. Plus tu es trop endetté au moment où tu veux prendre la maison, on va te dire non, on va diminuer le cas de crédit. C'est normal. Parce que si tu ne diminues pas après, là, tu vas être compris à la gorge. Donc, c'est important vraiment de diminuer le cas de crédit. Même une seule cas de crédit, si tu as un cas de crédit de 20 000 $, d'autres se plaignent. Non, j'ai une seule cas de crédit de 20 000 $. Mais tu as déjà dépensé. Tu dois déjà 20 000 $. C'est beaucoup déjà. Donc, comme je dis, ce n'est pas le nombre de cartes, mais c'est combien tu dois. Donc, il faut faire attention. Et les Africains, on a un mauvais côté encore. Je vais toujours le dire. Quand on prend une nouvelle maison, excusez-moi. Quand on prend une nouvelle maison, il y a une habitude qu'on a. Je suis allée il y a 2 ans de cela pour aider quelqu'un qui a acheté une maison pour déménager. Mais les fauteuils sont encore en bon état. L'électroménager est en bon état. On veut s'en débarrasser parce qu'on va dans une nouvelle maison. C'est même quoi ça? Ce côté-là, j'ai trouvé que ce n'est pas correct. Ce n'est pas parce que tu vas dans une nouvelle maison que tu vas jeter ce qui est encore en bon état. Les Africains font ça beaucoup. Et vous êtes surpris après quand maintenant tu rentres dans l'hypothèque et puis tu te rends compte que les factures de chauffage, quand ça vient là, tu veux tomber là à la renverse. Et on va maintenant dans vos maisons en hiver, c'est froid. C'est ça. Tu ne peux pas vendre. Ça dit, tu ne peux pas te débarrasser, mettre tout ce que tu as dans la main. Tu t'en mets ça sur Kijiji ou bien tu jettes ça dehors parce que tu t'en vas acheter une nouvelle maison. C'est nonsense, les Africains. Ce côté-là, c'est pas correct. C'est ça qui fait que l'endettement, là, on est plongé dedans. Oui, on est très plongé dedans. Il faut revoir nos façons de faire. Moi, je suis là pour vous dire les vraies choses. Dieu merci, je reçois beaucoup de messages des gens qui ont compris mon combat ici, même au Canada. Vraiment, ce côté-là, il faut le revoir. L'endettement, oui,
C'est bon d'avoir des cartes de crédit. Tu as besoin de crédit pour vivre. On est en Amérique, on ne faut pas qu'on se blague. Mais quand c'est exagéré, c'est trop. Vous comprenez, les amis? J'insiste là-dessus parce que c'est exagéré. Donc, moi, là, ce que je veux dire, c'est pas impossible pour prendre une maison. Une maison, tu peux la prendre, mais tu prends la maison selon tes moyens. Tu prends la maison selon comment tu peux vivre. Une maison, ça doit être comme un loyer. Ça dit que tu payes comme ça. Chaque fois, tu es libre dans la tête. Donc, je tenais vraiment à vous dire ça. Si vous aimez la vidéo, partagez-la. N'oubliez pas de liker et puis vous abonner parce que je suis ici pour vous dire vraiment les vraies choses. Et les vraies choses, c'est que on doit essayer de revoir nos comportements. On doit essayer de vraiment faire ce qui peut nous aider à mieux vivre dans une société. Voilà, c'est ça aujourd'hui que je vous explique sur le logement.